Bonjour à tous, c'est Shadow Wolves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ratchet & Clank. Et du coup aujourd'hui, eh bien, on va continuer notre petite aventure hein, dans la planète qui manque un peu d'oxygène. Hein, du coup, et là, on va justement peut-être aller voir peut-être par là. Je pense que c'est la suite ou pas. Non, c'est pas la suite. Ça, il nous empêche de passer. Donc là, il faut aller par ici. Ok, là c'est pour revenir en haut. On va juste voir ce qui se cache. Les mini-robots ne peuvent pas grimper, mais tu peux utiliser la commande entrée pour les envoyer dans le robot téléporteur. Ça marche. Bah là il faut les faire rentrer. Moi je rentre aussi. Allez, suivez-moi. Et là il faut passer par là. Là attaquer là. Qui sont tous morts là? Ils sont tous passés où là du coup? Ah! C'est bien. Entre. Voilà. Mais il est pas là lui? Ah si, il est là. D'accord. Allez hop. Et là. Non, j'ai dit d'entrer là. Allez viens. Utilise la commande entrée pour. Oui, je sais. Il n'y en a qu'un. Bon là il va falloir des robots pour attaquer ici. Et ici vous attaquez tant qu'on y est. Vu que j'en ai deux, je pourrais peut-être battre le monstre qui est là-bas et essayer d'en avoir. Voilà, là, il n'y a rien du coup. Je me demandais s'il y avait quelque chose, mais non, il n'y a rien du coup. Là, il y en a 6. Bon, toi, tu viens. Hop, ça détruit. Ça te manque 3. Il nous en manque 1. Voilà, il est là-bas, je le vois. Allez hop, venez. Allez, entrez. Et allez, entrez là. Allez.
Merci. Bon, on va quand même ramasser les boulons hein, parce qu'on en a besoin. Allez, venez. Si je te demande d'attendre, ici d'attendre ici là. Voilà, moi je vais là. Du coup, vous pouvez nous suivre. Voilà, nickel. Allez, viens là. Allez, on fait l'intérieur. Faut vraiment que je sois assez proche pour que je le voie hein, en vrai. Pour vous. Hein. Allez, entrez. Allez, entrez maintenant. Ok, il n'y a vraiment rien ici. Qu'il y a un objet. C'est quoi ça? Les magnétibots te permettent d'escalader des surfaces recouvertes d'un métal spécial, mais celle-ci semble beaucoup trop grande pour toi. C'est mal, c'est pour Hatchet. C'est encore pour Clank, tout ça là. Vas-y, hein. Let's go. Là du coup il est là-bas. Allez viens, c'est du montant, voilà, nickel. Ça c'est la suite. Et nous on doit faire en sorte d'avoir les robots aussi. Hein. Blague. Alors, mais non, ils détruisent tout aussi sur leur passage là. Ah, ils m'entendent pas. Et vous là. Et on va récupérer ça. Bientôt là-bas, ça on aura tout. On va faire le tour parce que on va pas se faire encore toucher en passant par le milieu. Oh, la bombe qui arrive juste à côté de nous là. Bon, touchez pas à ça.
j'aimerais bien détruire ça, mais... Bon, à mon avis, il va falloir monter et faire attention aux étincelles. C'est bon, on peut passer. Ensuite, on peut monter là-bas. Allez, vas-y, passons. Je pense que j'ai tout, mais je ne suis pas sûr. Mais voilà, je pense que j'ai tout. Nickel ça. Bon, ça lag un peu là. Allez, on détruit tout ici. Hop. C'est bon. Allez, attaquez. Et là... Non, c'est assez proche, je pense. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons là? Un info-robot. Pourvu que Ratchet ne voit pas celui-ci. Du coup, on n'a pas tout terminé, du coup, mais là, on a besoin de Ratchet aussi. Mais on n'a pas le masque à gaz. Hein. Parce qu'il manque du CO... Il manque de l'oxygène. Hop. Oh. Hey, mais dis donc, tu lâches l'affaire, oui? Elles sont magnétiques. Il m'est difficile de m'en séparer. Ah bon? Oh. Dis donc, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Fil, ferraille, poussière. Non, tu sais ce que je veux dire. Allez, qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer, mais promets-moi de rester concentré sur notre mission. Et est-ce que ça concerne Quark?
Qui dit ville dit brouillard, qui dit marécage dit boue, et qui dit puits de pétrole dit pétrole. Mais qui dit station de Hawaï dit soleil 24 heures sur 24. Pour explorer les eaux chaudes, nous offrons un masque rendu à nos clients. Découvrez la douceur de la vie marine dans un monde sous-marin bleu azur. Vous pourrez aussi chausser vos palmes gratuites pour participer à une course de natation. Alors venez tous à la station Hawaï pour oublier vos soucis et changer d'air. La station Hawaï sur Pokitaru. Je le savais. Oh, allez, quoi? Déconnecte tes circuits et lâche-toi un petit peu. Écoute, allez, on y restera juste le temps de dégoter le masque O2, je te promets. Peut-être l'excès d'oxygène aidera-t-il ton cerveau à fonctionner correctement. Et peut-être aussi que l'eau te fera rouiller et que tu la boucleras enfin. Ils sont toujours en froid. Du coup, on a récupéré les bottes magnétiques. On peut retourner dans celui-là. Allons-y. Ah, d'accord. Comment j'ai pu passer à travers? Ça, c'est un exploit dont je suis capable seulement moi. Ah oui, du coup, oui, c'est bien là-bas. Dévastateur, respire au canon. Eh oh, t'es vu, hein. Dévastateur, il est pas si puissant que ça. Il y avait un deuxième. Ouais, il y en a un deuxième, je le vois. Allez, hop, au revoir. Le plombier de l'espace. Très drôle. Que faites-vous ici, monsieur? De la maintenance, bien sûr. J'aurais percé les fosses anti-aériennes, inutile. Ouais, bah vous feriez mieux de vous dépêcher. La tourelle marche très bien, espèce de petit pignouf. Le problème chez les gens, y'en a pas un qui sait s'en servir comme il faut. Ah, mais moi je tire comme une bête. Ouais. Non, je risque de perdre mon boulot, alors... Oh, allez, quoi, fais pas ta mijaurée. C'est pas la peine de garder une tourelle si personne s'en sert. En plus, les Blarks vous ont chassé de la dernière planète. Faut leur faire payer, mon gars. Bon, d'accord, vas-y si tu veux. Mais va pas me cacher quelque chose, hein. Ça marche. Vas-y.
peut pas les détruire, ça? Il faut pas détruire, ok. Bah, peut-être que si, hein, mais bon. C'est ma vie alors. Ok. Oh la vache, j'ai eu chaud aux fesses. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, je vois en fait qu'il y a des missiles blancs d'abord et après ça devient rouge. Costaud lui. Ah bah voilà. Ouais. Il semble être beau à quelque chose finalement. Tiens, prends ça. Kezako. Ça détecte les boulons sous terre. Mon grand-père l'a conçu pour aspirer la petite monnaie sur toutes les planètes de la galaxie. Quel vieux radin celui-là. Bon, allez, salut, à la prochaine, peut-être. Maintenant que tu disposes d'un métaux-détecteur, un icône en forme de boulon s'affiche à l'écran chaque fois que tu te trouves à proximité de boulons enfouis. Une fois équipé du métaux-détecteur, il t'envoie des signaux t'indiquant la présence de boulons enfouis à proximité. La direction des boulons enfouis apparaît sur le détecteur. Maintiens la touche cercle enfoncé pour activer le dispositif. À l'approche des boulons, les anneaux deviennent de plus en plus rouges et le signal sonore plus rapide. Maintiens la touche cercle enfoncé et une fois au-dessus des boulons, le métaux détecteur les aspirera du sol. Oh, je vois. C'est comme ça qu'on ferme les boulons, alors. C'est comme ça qu'on ferme les boulons là. Bon, on va pas faire ça non plus. On va pas faire ça tout le temps non plus. Hop, on retourne au vaisseau. Ce serait bien que je rachète aussi pour mes munitions, quoi. Bon, ici, du coup, on a fini. Celle-ci, on l'avait... De toute façon, là, normalement, on a tout fini. Et ici, il faut explorer en Ratchet. Mais pour explorer en Ratchet, il faut aller chercher le casque de CO2. Et pour aller chercher le casque de CO2, ben, il faut aller à la prochaine planète. Donc prendre des vacances, quoi. Planète Okitaru. Salut Mekai! Ah, il y a plein de trucs du coup. Ça, c'est de la balle. Parce que là, du coup, gants à l'heure, canon visant bombe.
Repousseur. Ah, ça, c'est des trucs que je connais de... du Ratchet 1. Ça, c'est un bon choix. Ça, ça... Ça, c'est de la balle. Et ça, je crois, je connais d'après Ratchet 1. Ça, c'est un bon choix. Non, c'est pas des bons choix. Tu te tais. Bon. Ok, ici, du coup, on a quelque chose ici. Et ici, on a quelque chose qui permet de nous téléporter. Donc, on a trois objets, on va dire, à peu près, à aller chercher. Si c'est peut-être des objets ou des infos au robot. Hey, les premières têtes sympathiques depuis des semaines. Vous êtes gentils, n'est-ce pas? Bah, avec vous, oui. Mais avec lui, non. Mes amis, j'ai un marché à vous proposer. Depuis que les blargues déversent leurs déchets toxiques dans notre océan, la faune s'est... transformée en mutant vorace. Oui, en quelque sorte. Tous mes clients sont partis. Ou ont servi de repas. Donc j'ai plus qu'à fermer. Mais il se trouve qu'il me reste un et un seul masque au deux. Combien? Il est pas à vendre. Mais vous avez dit que... Qu'on pouvait faire affaire. Et c'est vrai. Si vous éliminez ces vaisseaux blargues, il est à vous. Escortez-moi à l'autre bout de la station et vous pourrez utiliser notre jet. Un jet, c'est cool. Ok, mais surtout mon gars, tu t'avises pas de nous rouler, hein. Du coup, aider le proprio pour Masco 2. Je pense qu'il faut l'amener jusqu'à là-bas, non? Bonjour. Ah, mais il faut plein de coups pour les tuer, ça. Tiens, on prend le masque, le gant à bombe. Vas-y, souligne-nous. Bon, là, vous êtes mort là. Faut partir par là. Ah, d'accord. Vas-y, amène-nous, mon petit. Quelle idée, sérieusement. Bon, vas-y. On va tester une dernière fois. Allez mon gars, conduis-moi ce truc et au bon endroit. C'est là, d'accord.
canon là, ça marche. Bon, c'est par là, là. Ah, d'accord. Je vois. Ah, oui, bon, ok, je me mets là. C'est un peu facile avec le canon là. En même temps, c'est des petits machins donc si. Ah, vous pouvez pas faire un pont droit, je sais pas moi. Vous êtes incapable de le faire. Bon, on y est. Alors, il est où, ce jet? Là, dans ce garage fermé à clé. Un touriste se crache avec un jet et blanc. Un procès. Je n'ai jamais eu affaire à une telle serrure. Tu l'as dit, Mister Fut-Fut. Je peux pas l'ouvrir non plus. Je fais pas confiance au touriste et la direction me fait pas confiance. Bref, on a un petit problème. Comment ça, on a un petit problème? Hé, je veux juste le masque O2, moi, hein. Si vous pouvez pas ouvrir, c'est votre problème. Alors, aboule le masque ou je te fais une tête au carré. Je vois que vous voulez vraiment piloter notre jet, alors écoutez, allez voir Bob dans son robot romain. Il connaît bien ses serrures. Tu vas devoir utiliser les fonctions spéciales d'un propulsopack Gadgetron pour activer ce commutateur. Bien, bien, voyons ce que nous avons là. Attention, fragile. Ah, je reconnais la griffe de l'artiste. Al est passé par là. Ouais, il a installé l'hélipack. C'est ce que je vois. J'ai absolument tout appris à cette vieille branche. Hé, hey, si tu veux du vrai matos de pro, je peux équiper ce petit gars avec un propulsopack. Ouh. Et est-ce que ça peut nous aider à ouvrir le garage qui a cette serrure bizarre? Ah, vous connaissez ces machins? Eh ben, je veux que ça vous aidera. Il a un véritable super écraseur intégré. Ouais, bah t'as vraiment de la chance que j'en ai besoin pour arriver au jet, mon pote. Dak, j'arrive. Je vais t'installer ça en un tour de clé à molette. Et voilà, petit gars, flambant neuf. C'est vrai, j'ai la classe. Ouais, la classe chauve-souris. Comme ça, voilà, d'accord. C'est bon ? C'est ouvert. À
appuie sur la touche carré pour utiliser les mitrailleuses et sur la touche cercle pour lancer des missiles autodirecteurs. Pour aller plus vite, maintiens la touche 3 enfoncée. Je pense que j'ai pas le choix. Et voilà. Bah, c'est pas trop tôt. On peut retourner au vaisseau tranquille. Voilà, nickel. Donc il nous restera plus que bah aller ici en fait. Ici c'est pour les égouts. D'accord. Bah de toute façon je pense qu'on verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle. Salut et bye bye.